Attends la caméra. Pourquoi tu veux que les gens ils voient quand je rigole? Parce que... Ils vont croire que je trouve ça nul alors non. C'est pas ça. Allez. C'est que je trouve drôle. Allez. Le fait que tu chantes cette chanson. Nous sommes en mission petite acoustique pour les réseaux sociaux sur le track qu'on vient de sortir avec Dream Chaos qui s'appelle Feel the Light. Donc on essaye de trouver les petits accords. Donc ok. Et ben écoute, on va faire un truc dans ce style là. On va s'accorder. Oui, clairement, c'est horrible. On est accordé. Et c'est parti pour le rec. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Et voilà, la guitare elle est rec. Check. Tu veux pas en direction le refrain, non? C'est quoi le refrain? Attends, je comprends pas. Toi, tu le chantes? Oui, peut-être. Ah, tu faisais pas le ah, c'est ça. Je pense pas, non. Et là, ça part. Et la vidéo. Oui. Ok, allez. Tu penses qu'il fait chaud? C'est tout à fait supportable. Ah bah c'est malin. On casse la maison. J'ai pas montré ma serre sauvage. Là, mes plants sauvages. Par contre, il n'y a plus beaucoup de batterie. Je vais la changer. Où en étions-nous? T'as vu? Là, il signe, elle est bien. Elle est feuillue. 1, 2, 3, 4. I don't wanna smile anymore. When you start off living the sore. Try to find a reason to live. Doesn't matter how much you give. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on de beau ici? Nous avons des patates. Non. Ah si. Ah oui, il y en a qui ont poussé. Bah évidemment. Et du coup, ça, faut peut-être laisser. Oui, ça, faut laisser. Et c'est ça, il faut qu'on enlève et qu'on mette les... Donc il n'y a que les patates. Cucurbitacées. Voilà, avec des patates. Donc je disais, parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Ça, c'est les trucs qui ont poussé tout seul, donc c'était un bordel. Donc on a quand même trié, gardé les plants les plus beaux. Mais voilà, c'est beau. Ça, faut qu'on mette en bas. C'est un criquet. Ah oui. C'est ça. Ah, quoique là, je suis pas sûr que ce soit un criquet. C'est celui qui était dans la serre, je pense. Oui, je pense. Et là, pareil. Puis aussi ce plant là. Qui a l'air. Là, c'est une serre sauvage. Bah, c'est tout sauvage. C'est incroyable, n'empêche. Ouais. Elle est bien, hein. Bah, ouais. Mais c'est quoi ceux-là? C'est cucurbitacé, mais savoir lequel, tant qu'il n'y a pas le fruit, on sait pas. Et ça, il faut pas qu'on les mette aussi en bas? Si, tout ouais. Cela. Donc ça, ça et là-bas aussi. Ouais, parce qu'ils vont pas kiffer la serre, je pense. Ouais, il faudrait qu'on le fasse. On est parti pour Rec, la petite version acoustique de Feel the Light. Lui a déjà fait sa guitare, moi du coup, faut que je fasse ma voix. Ma GoPro. Ok, on met ça là, importé, nien. Clac. C'est-tu allumé ici? Ouais, ça faut que j'allume ça, sinon ça va pas marcher. I don't wanna smile anymore. When you start my flame and my sore. Je vais la refaire en baissant vraiment le gain par contre. You're trying to get me high, yeah. To make everything right. Voilà. Ça, c'est mieux. Le gain est beaucoup mieux. Mieux. I wanna feel the light. Ok. Pourquoi tu te rallumes, toi? On t'a jamais éteint, hein? Il faut que j'enregistre l'idée pour le pont avec Daddy DJ. I let you in so don't fuck it up with my mind.
Don't give up on my body. I just need you to be savage when the lights are down, babe. I can't be kind of selfish, so choose. C'est stylé, j'aime bien. J'aime bien qu'on enregistre des trucs comme ça à la va-vite, que je les oublie complètement. Et du coup, quand tu les réécoutes, c'est là que tu vois si tu les trouves vraiment intéressants ou si c'était juste une idée comme ça que t'as eue et qui est pas ouf. Là, pour le coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant. C'est bien, ça rajoute au morceau, j'aime bien. Alors... Choose. 3000 adibs à trouver là-dessus. Don't give up on my body. I just need you to be savage when the lights are down, babe. I can be kind of selfish, so. Ok. Soif m'a demandé si je voulais reprendre Ella Ella de France Gall et Michel Berger, version électro. Donc c'est une chanson que je connais très bien, je l'ai beaucoup chantée quand j'étais petite et au collège, donc pour les paroles je vais quand même les prendre, mais techniquement ça devrait aller. Je l'ai jamais chantée sur ce rythme là, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça me paraît assez rapide. On va essayer. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. Ella, ce tout petit supplément d'âme. Quand tu l'as, Ella, Ella. Je crois pas qu'il y ait d'autres parties derrière, je check. J'ai fait les couplets trois fois, l'espèce de pont pré-couplet trois fois aussi. Je vais refaire les refrains, par contre je vais baisser le gain parce qu'il y a tellement un monde entre les couplets et les refrains. En fait, dès que je pousse pas, on n'entend rien, et dès que je pousse un tout petit peu, ça part très vite. Il y a vraiment un gros gap entre les deux. Du coup, je vais bien baisser et je vais refaire les refrains plein de fois parce que là, je sentais que j'étais quand même bien en retenue parce que j'avais pas envie que ça sature et que ça me démette les oreilles. Donc je vais refaire. Si tu l'as, tu l'as, Ella, Ella, ça je ne sais quoi qui nous met dans un drôle d'état. Ella, 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 c'est drôle de voix. Je sais pas comment le faire. Parce que là, je partais quand même sur une interprétation très française sur les couplets. Moi, j'aime bien. Après, peut-être Louis va dire que c'est complètement hors sujet. Je sens que Louis va pas aimer. Mais moi, je trouve ça mignon. Et je suis sûre que ça peut marcher à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? Je fais les deux au pire. Hein. Ça me ressemble plus. Ok, je vais mettre un petit autotune et vous faire écouter. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens. Si tu l'as, tu l'as. Ella, Ella, ça je ne sais quoi. Ah, j'ai oublié lui. Ça je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi. Ça ira mieux, je pense. J'ai pas enregistré depuis tout à l'heure. Bah bravo. Et là, elle, là. Ce je ne sais quoi. Ella, 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 Ella. Ah, les bugs d'autotune, ça me rend ouf. Montre ton rire ou ton chagrin. Je trouve ça cool, moi. Moi, je trouve ça cool. Je vais faire écouter à Louis s'il est là. Je suis sûre qu'il va aimer. Parce qu'en vrai, moi j'aime bien. J'ai peur. Est-ce que t'es là? Tu peux écouter? Il arrive. Je rallumerai quand il sera là. Ah. On y est? In my eyes. Attends la caméra. Pourquoi tu veux que les gens ils voient quand je rigole? Parce que... Ils vont croire que je trouve ça nul alors non. C'est pas ça. Allez. C'est que je trouve drôle. Allez. Le fait que tu chantes cette chanson. Mmh. Mais ça a l'air de sonner bien. Mmh. J'ai entendu les deux premiers mots. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît... Attends, je m'arrête tout de suite. T'as bien dit quelque chose et pas quelque chose. Quelque chose dans la voix. Ah non, ça va. C'est moi qui a bugué. Qui nous fait sentir étrangement bien. Si tu l'as, tu l'as. Ella, Ella. Ça je ne sais quoi. Ella, 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 Ella. C'est qui déjà veut faire ça? Fais ça. C'est pas, c'est Soif qui nous tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut. Grooving.
là. Tout le monde est là, est là, est là. Allez. Nanana. C'est bien. T'aimes bien? Bah ouais. Je suis mauvaise langue. Pourquoi? J'ai dit que t'avais pas aimé. Ah ben c'est pas, moi c'est pas, j'écouterai pas ça toute ma vie. Hein. Mais tu l'as bien chanté en fait. Une version acoustique de toi. Oui, c'est top. Après la chanson en fait, je suis pas fan, mais t'as rendu ça vraiment pas mal. Hein. Surtout les couplets. Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire rien. Oui, les couplets tu les as gérés. Merci. Ça tue, ça claque. Ben voilà, t'as plus qu'à leur envoyer, ils vont être contents. J'ai envoyé quoi? J'ai rien fait du tout. Hein? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as rien fait? J'ai juste enregistré. Ah, c'est même pas édité et tout? Mais ça tue? T'as pas besoin de beaucoup d'édits, ça? Moi, je crois que c'était tout édité. Tu chantes vachement bien, ça. Merci. En vrai, t'envoies ça comme ça, déjà, tout le monde est content. Bonjour, c'est le matin. Bonjour, c'est le matin de 12h46. On est réveillé depuis un moment. Bah oui. Mais j'ai toujours mon état de matin un peu crevé. Arrêt sandwich, check. Nous allons à... près de Lorient. À chaque fois. Rieck-sur-Belon. Voilà, nous allons à Rieck-sur-Belon pour un mariage. On avait déjà fait le premier round du mariage. On est invité à rester manger. Oui. Et il fait super beau, donc ils ont de la chance. Ouais. Et nous aussi, du coup. Du coup, fatalement. Donc là, normalement, il faut que j'écrive Nav. Navigate. Kiri quoi? Kerikel Kerbanz. Kerikel. Quelque chose après le signal sonore. Kerikel Kerbanz. Ok, j'ai sélectionné Kerikel Kerbanz. C'est pas vraiment ça. Rieck-sur-Belon, Kerikel Kerbanz. Ok, j'ai sélectionné Rieck-sur-Belon, Kerikel Kerbanz. Je vais écrire. Débrief. Bah c'était très cool. En vrai, soleil, ambiance très bien cool. Soleil. On voilà. A même terminé avec un j'irai ou tu iras improvisé totalement. On a trouvé les accords au dernier moment parce qu'en fait ils se sont mis à chanter ça entre deux chansons. Donc on a pris les accords et on a improvisé. Et puis ils sont tous chantés à fond, donc c'était très cool. Et là on est invité à manger, donc on va aller manger. Et c'était chouette. C'était trop. C'était bien. T'as débriefé? Tu veux débriefer quoi, le repas? Bah on a bien mangé. Et t'as mangé quoi toi? Moi j'ai mangé un petit gratin dauphinois, très bon, avec de la viande, mais je sais pas ce que c'est. Moi j'ai pas mangé. C'était quoi, du bœuf? Je pense que c'était une pièce de bœuf, mais je sais pas quoi. Une pièce de bœuf, c'était très bon. Et toi c'était quoi? Moi c'était de la purée de je sais pas quoi d'ailleurs, qui était très bonne, avec je sais qu'il y avait du roquefort ou du gorgonzola dedans. Mais c'était une purée de céleri peut-être. C'est ce que j'allais dire, dans ma tête ça ressemble à du céleri. Avec du gorgonzola, c'était excellent. Avec le petit donc gratin dauphinois moi aussi. Et puis t'avais aussi deux petits trucs. Et c'était pas des petits choux? Deux petits. Des choux de Bruxelles. Deux petits choux, ouais, mais qui. Et en plus ça en général j'aime pas trop. Je crois que c'était des choux de Bruxelles. Et là ils étaient excellents. En vrai c'était très bon. Et après on a mangé du fromage. Plein de fromage. Plateau de fromage, ça on aime bien. C'était la salade. Avec la salade. Puis après il y avait un buffet dessert, donc on a pris des petits desserts. C'était bon. C'était bon. Oh, en apéro, j'ai mangé des macarons chocolat foie gras. Mmh. Incroyable. Il y avait une super ambiance. Voilà. Et là, on rentre à la maison pour voir peut-être. Et regardez Secret Story. C'est la famille. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une. C'est bon, c'est fini. Attends, il faut faire le. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. On coupe. Ah, mes cheveux. Mais tes cheveux. Bah, avec la couleur de la lumière là, ça fait des beaux cheveux. Des beaux cheveux, oui. Allez. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci. Elle te l'a... Il y en avait combien? Oui, mais écoute là, celle du jardin. Mais non, mais c'est pour toi. Elle est bonne. Elle est bonne. C'était la première du jardin. Je suis cuit! J'ai travaillé toute l'après-midi sur un remix pour Free Freedom Dum. Ils m'ont demandé si je pouvais remixer leur dernier morceau Papillon. Et donc j'ai fait un truc. Et tu vas écouter. Écoute! Oh, c'est beau les nuages!
c'est joli. T'es rigolo, t'as me filmé Bougon. Je suis Bougon aujourd'hui. Parce que j'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais. Ben du coup, il est 21h30 et on est en train de faire les trucs que j'ai envie de faire. Alors, j'ai pas envie de te... Je crois qu'il est pas du tout 21h30. Ah merde. 22h13. Tout va bien. Mais 22h13, on est en train de ranger la maison et on est en train d'arroser les plantes. On a presque fini de ranger la maison et on va arroser les plantes. Mais par contre, on va pas arroser les tomates. Non. Parce que là, elles sont bien et il faut les faire souffrir un peu. Et je te donne ça. Moi, je descends ça. Ça. Et ceux-là, faut les garder ou pas? Bah ça, oui. On va garder les framboises. Mmh. Tous les jours, je vois des framboises rouges. Et je me dis, tiens, je pourrais la manger demain. Et tous les jours, elles disparaissent. Je crois qu'il y a un oiseau qui passe avant nous. Regarde ça. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Vite, il embourbe. Qu'est-ce que tu joues là, toi? Il disait qu'il coulait mal, mon truc. Pour des plants sauvages, c'est très très bien. Et bien sûr, on vous avait dit qu'on n'avait pas pu beaucoup travailler à la maison parce que le toit est en train d'être refait. Et voilà, le joli toit tout beau, tout neuf. Juste pour les 100 ans de la maison, avec une belle gouttière qui ne tombera pas à chaque tempête. Et ça, c'est merveilleux. Coucou, Beckett. C'est magnifique. C'est très beau. Voilà, on est content. Le toit, il est beaucoup... Il y a des bonnes pâtes arrabbiata qui nous attendent là. Ça c'est la vie, meilleur plat du monde, meilleure sauce du monde. Donc voilà. J'avais envie de mettre en place le truc de Lorraine, mais elle m'a dit mais non, viens voir, j'ai déjà fait, je sais pas quoi. Donc moi je n'ai même pas eu le droit de mettre en place. Ah ouais, c'est bien. T'as vu comme il va bien avec lui? Mais attends, je le regarde déjà lui. La petite bouteille qui va trop bien avec la petite botte. Et l'autre petite botte. Et les deux, ouais, j'avoue qu'ils vont bien. Ça, c'est bien. Et donc, c'est quoi tes idées que tu réfléchis? Bah, c'est qu'en fait, je me demande si j'aimerais pas des fleurs en tissu. Genre en tricot. Genre autre chose. Mais donc, c'est toi qui te l'es fait. Non, j'ai pas le talent de tricotage suffisant pour faire des fleurs. Mais si. Je pense pas. Déjà qu'il faut construire un meuble avec du carrelage dessus. Oui, justement, on peut rajouter oui, ça. Oui, on va pas se rajouter ça. Tu viens? On a ça. Et en dessert, on a... Non, je voulais te faire la surprise. Tu crois que je vais oublier? Oh merde. Une glace de l'atelier. Mais tout à l'heure, tu sais, je l'ai vu dans le frigo, je me suis dit, je dis rien, parce que tout à l'heure, je ferai. Non, tu te rappelles? Et puis, parce que des fois, tu oublies. Bah, non, mais je suis allée chercher les glaçons avant toi, donc je les ai vus. Ouais, c'est chiant. Mais c'est pas grave, je suis contente quand même. Mais peut-être tout à l'heure, tu auras oublié. Faudra s'inquiéter si ça arrive.